Exciting battles of the best teams in the world are back. StarLadder.tv and iLeague presents the new season of Star Series. More than 100 breathtaking battles of the strongest CIS, Europe, America, Asia, and China collectives are waiting for you. Only 12 best teams will get a ticket to the LAN final. The final battle will take place in the capital of Belarus, Minsk Arena Center, which can handle more than 18,000 fans. The prize pool is increased by more than 3 times, up to $300,000. From now, you can watch all battles of Star Series Season 13 on Dota TV for free. The best Dota 2 teams in the world on one stage. 12 candidates, one trophy. Watch our broadcasts and pick your favorite one. Allez, on est parti pour la première game entre Arcade, Power Rangers et Alliance. Bonjour à toutes les personnes qui sont avec nous dans la Dota TV. Bienvenue à tous. Je suis Hugo, je suis avec Voja et nous sommes en direct sur Gaming Live si vous voulez venir nous faire un petit coucou. Nous allons donc suivre une de ces premières games. Alors, si ça n'a pas changé, j'imagine que c'est des playoffs, hein, le StarLadder. Ça a toujours fonctionné comme ça. Pas de raison que ça change. On va les vérifier rapidement. Ah, ça a changé d'habitude. Ça a changé d'habitude. On a 4 poules du coup. 4 poules de 4 équipes. Et si je dis pas de bêtises, on est sur des groupes GSL. Ou du moins, ça y ressemble. Ah, c'est pas. Non, c'est pas des groupes GSL. C'est juste des poules de 4. Donc toutes les équipes se jouent dans des BO qui semblent être des BO 2. 3. Non, 3. C'est 3, non ? Bah, y a eu que des 2-0 de fait en fait. Ouais, ah, moi j'avais en tête que c'était des BO3. Mais c'est possible mais c'est vrai c'est qu'il y a que des 2. Il y a que des 2-0, on sait pas trop. Je m'étais dit BO3 juste à ça cause ressemble à un de... BO3, ouais. Juste à cause de la longueur des créneaux, en fait, tu vois, qui ouais. Donnait pour les matchs. D'accord. Oui, ok. Bon, partons du principe que c'est des BO3. Donc, dans notre pool, nous avons Alliance, Power Rangers, Empire et Team Alternate. Donc, Alliance et Empire sont légèrement au-dessus de Power Rangers et Alternate, qui vont devoir batailler pour essayer de récupérer un peu de crédit, sachant qu'Alliance a déjà une victoire face à Alternate, donc 2-0. Tranquille. Et qui, s'ils remportent cette game, s'assurent pas leur qualification, mais a priori on est déjà bien avancé, hein, avec 6 points dans un groupe à 4, normalement on est bien. Parmi les autres groupes, on retrouve un groupe avec Vega, Hellraiser, ForceCL et Golden Boys, un autre groupe avec Monkey Business, Scary Faces, Stark et Natus Vincere, et enfin le dernier groupe avec Team Liquid, Team Bad English, je sais pas qui c'est. Mais ils sont qualifiés. Ah, c'est un groupe de IMMR. Team Bad English, CIS Reject et Ninjas in Pyjama. Parce que comme d'habitude, le StarLadder laisse la place à des équipes moins connues qui peuvent se qualifier en participant aux divisions 2 en fait du StarLadder, les Pro Series, hein, d'accéder aux Star Series. Je te laisse parler un peu du draft. Ouais, carrément. Alors on a une première phase de ban qui nous a laissé passer le Wisp, c'est la note qu'on peut avoir de ça, puisqu'on a décidé de ban très tôt la broute de Bulldog. À côté de ça, on a viré le DS, le SF, le Doom, jusque-là, pas trop de problèmes. Le Wisp a été pris par Alliance, on lui a ajouté un petit Tiny. PR a décidé de prendre Winter Wyvern et Nature's Prophet. Alliance a réussi à ajouter à ça un petit Bane pour venir setup les Relocate et pour épauler pourquoi pas un setup de double dual lane. Alors que du côté PR, on a juste développé avec Queen of Pain Disruptor. Moi j'ai l'impression que c'est plutôt un draft où les deux équipes ont, jusqu'à ce pic là, les deux équipes ignoraient un petit peu ce que l'adversaire faisait et développaient un peu plus son draft de son côté. Il y a eu un ou deux pics réactifs, je pense que le Disruptor est légèrement réactif à Benyotini, et je pense que le Nyx par contre arrive très réactif à un line-up de 4 Intel et surtout de 4 héros quand même plutôt squishy. Et j'aime bien ce Nyx. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Et je suis content de revoir ce héros qui, bah, concrètement, quand tu vois ce genre de draft, tu dis que oui, bah, là, il est adapté. Ah bah, c'est sûr, il est contre 4 héros Intel. Il fait le café. Qui va être probablement dans les mains de Bulldog, du coup. Ouais, on l'a déjà vu une ou deux fois jouer le Nyx. On connaît un Nyx core en safe lane, mais tu sais, ça pourrait être un Nyx de S4 en safe lane. Ça pourrait. Avec un Bane, hein. J'aurais quelqu'un d'autre que S4, je t'aurais dit non, mais étant donné que c'est S4 qui joue toujours des héros un peu utilisaires comme ça, pourquoi pas. Un Jugger qui arrive en dernier, et la win qui est immédiatement choisie par... Ouais, donc on sait pas si ça peut être le... Alors je pense qu'il est comme la win de Bulldog, je pense quand même. Aussi. De toute façon, on aura la réponse dans un instant.
Alors, pire, c'était les mecs qui jouaient un petit peu leur Queen of May dans offlane, mais là, avec un Nature's Prophet, je pense pas. Je pense qu'on doit être sur une cop mid, à laquelle on va prêter un support au début de la partie si elle est contre la dual lane, je pense. Sur probablement la Wyvern. Et on va avoir une autre dual lane ailleurs à base de Juggernaut, plus eh bien, le support qui restera. Et un petit Furion qui va se débrouiller tout seul. Un Furion qui va pas avoir une lane facile, hein, puisque bah, il y a de grandes chances qu'il soit contre Windranger Bane. C'est une lane plutôt compliquée pour lui, même s'il peut bien embêter le Bane juste avec ses Tréants. Je pense que Il peut se bah, réveiller le du moins. slip en plus, hein, qui est sympa. Il peut se réveiller du sleep également aussi. Mais voilà, le moindre pas hors de position, et c'est quasiment la mort instantanée pour lui. Alors, on va voir tout ça. On voit que Barrage a le petit truc stand-in devant son pseudo. Je sais pas si c'est vraiment le cas. Sachant qu'il jouait avec Urize il y a pas longtemps au mid, les joueurs de Power Rangers. Donc, peut-être que c'est un dernier ajout dans leur line-up. Juste vous enlever rapidement les FPS en haut parce que c'est un peu crado. Vous n'hésitez pas à nous dire pour les. Alors, il y a 2 minutes de délai, hein, bien sûr, mais pour les micros in-game. Hein. Tiens, moi j'ai déjà cast un BO in-game là, donc ça devrait aller, mais peut-être pour Hugo, là, il y a de l'écho à droite, à gauche, je sais pas. On verra. N'hésitez pas à nous dire, en tout cas. Gardez, bien sûr, en tête qu'il y a un petit peu de délai lorsque nous sommes in-game, étant donné qu'on évite que les équipes puissent tricher via notre fantastique stream, puisque, eh bien, bien évidemment, Alliance, tout comme Arcade Power Rangers, ont dans leur favori Gaming Live Dota 2. Ah, ils sont tous sub d'ailleurs. Tous sub, bien sûr. On a des donations régulières de Bulldog qui nous offre les golds en trop qu'il a à la fin de la game avec son Nature's Prophet. Alors, les deux équipes ont sécurisé leur rune de la safe lane. Pas de soucis là-dessus. On est bien sur un Nyx Assassin offlane qui part avec des bots au niveau 1. Donc, il s'attend à être contre une ligne difficile et je pense qu'il a sacrément raison. Puisqu'en face, Pas ça de va pas double rigoler. mango. Ah, j'ai beaucoup rejoué Nyx double mango, c'est Ouais. 5 de régène PV sans rien. Ah, 5 de c'est comme le régène PV. Nicewalker, tu peux rien faire. Hein. C'est Mais bon, là, ils ont de infernal. quoi le tuer, quoi. Il a beau avoir de la régène, ils ont de quoi le tuer sur une toupie de jugger avec le Sula Wyvern. Ok, il décide de prendre les bots, ce qui est bien quand même, parce que les deux choses qui peuvent l'embêter, c'est s'il se fait trop slow par la Winter Wyvern, ou si le disruptor arrive en range de Glimpse ou de Field, et il peut un peu tout éviter avec des bots. Et le héros bénéficie d'une grosse régène de PV de base, hein, c'est 2,8, pour ceux que vous arrivez à 5 avec double ango, vous êtes à 4,8 concrètement. Et de manière très intéressante, Alliance décide de ne pas mettre son Wyvern au mid, ils vont les mettre top. Apprends que le Bane va venir le rejoindre assez rapidement, mais ils vont laisser la win dans 1v1 face à la Queen of Bane, c'est très étonnant. Ouais, Comme je choix de leur suis part. assez étonné aussi. J'estime qu'il pourrait pas mettre assez de pression si jamais hosté par exemple, je sais pas, Cop plus Wyvern mid. Ils estimaient que là il devenait trop perdant Je sais pas. contre leur Team Wisp. C'est peut-être vrai, hein, honnêtement. Mais je sais pas si c'est pas le fait que le Furion sur un offlane, ils veulent pas mettre leur win plus Bane contre parce qu'ils pensent qu'ils vont se faire peut-être trop merde. Non, j'en sais rien, c'est étonnant. C'est très étonnant. Alors, il paraît qu'il y a un écho quand je parle sur la Dota TV, donc Ah, il y a moyen que ça ait effectivement. une. Ouais. T'actives mon micro quand tu parles. On va bidouiller nos petites sensilles. Hein. Voilà, ça devrait être bon. Parle un coup, le bras. Alors voilà, on refait le test, on essaye, Ouais, on normalement, c'est essaye. bon. Ok, good. Bah, Bulldog, bientôt plus de régène déjà. Hein. Bah, ouais. Et full zoné. Bon, en même temps, il y a deux Et mecs mid? qui sont là pour ça, hein, mais. La Queen of Pain, faut voir la même chose, c'est que la Queen of Pain, elle a 0 de CS, hein, elle a 0 de CS, se fait complètement zoner par le Bane qui est sur sa colline. Et bah, elle peut plus ou moins rien faire. Et ça vient du fait qu'il y a deux supports qui zonent Bulldog en bas, hein, donc. Carrément. Prendre un peu le fight là sur G4. Ça va s'arrêter là pour lui, même s'il est tombé relativement low HP. Je Et à pense que c'est vraiment pour l'inverse. ça que. C'est pour ça que le Bane reste mid. C'est pour essayer de forcer un des deux supports de PR à venir. Et du coup libérer un peu Bulldog. Mais Et il en ça marche profite pas pour le d'ailleurs pour moment, faire il des craque pas. stacks. Ouais, on a un petit stun qui est parti. Pas de toss à suivre pour l'Oda. C'est juste pour dépenser un peu de mana. Ah, y a la Cop qui commence enfin à pouvoir un peu exister dans son matchup au mid. Le Shackle qui Le passe! chacal. Est-ce qu'on a un Power Shot à suivre? Non! Il va falloir salve, pas se faire cancel. Power Shot revient maintenant, ça devrait passer. Et le Et le Bane Bane, qui il est chasse la parti. battle, Oh bah, on est loin de mais la il est un battle, peu hein. tôt. Ouais, bah, je pense qu'il est au courant quand même. Je sais pas s'il voulait pas juste récupérer une salve ou juste la Cop qui back peut-être. Ok, il y a une régène hein, qui traîne top, ça peut être très important. Avec Esper qui est très proche de sa bottle. La Winter Wyvern qui va arriver au mid maintenant, harasse un peu cette win, qui n'a pas le win run. On va TP de la part de Bulldog.
Pourquoi pas? Je sais pas, il était peut-être en train de back Fontaine, je ne sais pas. En tout cas, Esfort va probablement se faire un plaisir d'aller récupérer la petite Regen qui traîne top si on lui laisse. Est-ce qu'on est au courant de cette Regen hein, de la part de Power Rangers? Mais on va pouvoir contester ça. Et Odo qui est bien Esfort. content. Ah, c'est clair. Esfort qui se remet full HP, lui aussi il est bien heureux, il touche le Power Shot en plus. Et bah, là, je pense qu'il va devoir se ramener de la Regen s'il veut tenir dans cette ligne. Et on a un peu Ah abandonné bon? l'offlane de la part du Nature's Prophet aussi, qui a back Fontaine. Et Bodo, lui, il a... je pensais aussi qu'il allait faire un petit steak d'ancien, il a dû le rater, hein, parce que c'est pas du tout stacké. Pas du tout stacké. Bon, on sait qu'il y a plusieurs écoles du Tini quand on joue les quiz, il y a des mecs qui systématiquement font Dagger. Je pense que c'est une très bonne game pour faire Dagger sur ton Tini. Que tu peux débloquer beaucoup, beaucoup, beaucoup de kills sur ta Dagger. Double rôle. C'est clair. Mais bon, je pense qu'il leur fait gagner. Enfin, je sais pas. Il leur fait pas gagner la game. Mais il leur fait gagner la phase de win. Parce que il peut pas aller en bas, clairement. Il force les deux supports à être là. Et il vient aider son mid. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Faire un peu de net worth pour voir où est-ce qu'on en est. Tout le monde est très pauvre. On voit que la Queen of Pain est au niveau du Nature's Prophet. C'est-à-dire que le Nature's Prophet est pas trop mal. Et que la Queen of Pain est pas très bien. Pour résumer l'histoire. Et les deux équipes ont un peu abandonné leur offlane qui utilise juste leur moitié de carte pour le moment avec la Winter Wyvern qui arrive en invis. Il y a de l'XP sous la tour Bulldog, il n'a toujours pas encore de points dans sa carapace. 3 points pour la Blade Fury pour le Jugger, il faut réussir à toucher Ils de vont la part de tuer là. Venom. Allez c'est parti, le Furion qui TP de très bon sprout, on sort le Necro, on récupère le First Blood et on va même essayer d'enchaîner sur la tour probablement avec la ligne droite qui est sortie. Bonne manière de débloquer là pour Arcade Power Rangers qui sentent qu'ils sont derrière, hein. Je pense qu'ils sont avec leur Queen of Pain qui est dans cet état, ils savent qu'ils sont pas très bien sur la phase de ligne et du coup, eh ben, ils récupèrent le First Blood, ils vont récupérer aussi la First Brick et ça va les mettre bah, plutôt bien. Alors tout revient encore une fois dans les mains du Jug qui décidément encaisse bah, la totalité du fait que son équipe soit bien, tout est centralisé sur lui, mais c'est pas grave, c'est juste eux qui mettent la première véritable phase d'agression et c'est important ça. Ouais, il faut absolument que la Queen of Pain trouve un bon moyen d'entrer dans sa game. Elle a choisi de prendre 2 points d'un Shadow Strike qui est très étonnant étant donné sa phase de lane. Ça va ralentir son potentiel de recover dans les prochaines minutes. Radiant's top tower is under attack. Radiant's top tower is under attack. Hop là, alors, je répondais à un petit truc sur le chat. Du coup, notre Nature's Prophet qui ben, on disait qu'il était plutôt bien, et ben, ça se confirme, hein, il est toujours devant la Queen of Pain, il a des power traits de terminer. On va voir ce qu'il va décider de faire comme item. Est-ce qu'ils veulent push autour de lui peut-être? Parce qu'on est. Il y a quand même très très peu de dépush, si ce n'est la Windranger. Et Ah, ils c'est ont un vrai, jug. une fois que le Tini a un peu de level, c'est pas trop mal, mais. Bah disons qu'il est un peu obligé de commit quand même pour les défendre. Il y a un stack, waouh, il y a un stack par les squads. Ah, il a pas marché, c'est un. C'est de finir son x4. La cap qui va Foncé. récupérer la ruine de Haste. C'est un joli petit steak de petits trucs là. Ouais. Hop hop hop. Ils vont aller le farmer. Alors, je sais pas qui va le farm, hein, mais. Le Jug avec le Blade Fury, peut-être. Et en attendant, Loda et Mynotes, ils ont fait leur petit steak de leur côté. Ils vont enchaîner. Et c'est le Bane qui met top 1. Je pensais qu'il mettrait peut-être Bulldog. Hop. En attendant. Bah, il est Mais clé non, sous ils la vont tour à laisser ça au droite, hein, Bane. mine de rien, avec cette tour qui a été prise. Alors, c'est pas Ouais, forcément hyper safe, mais. ils ont envie de débloquer un petit peu un jeu à la Relocate. Ils ont clairement un draft qui est plutôt dessiné là autour. En fait, leurs trois autres héros, leurs trois utilitaires, débloquent les trois très bien des kills sur la Relocate. Donc c'est important de les avoir tous plutôt bien dans la game si possible. Le level 6 du Bane, tout comme bah, les objets de la Wind, ça pourrait être une dagger assez tôt qui pourrait le permettre. Tout comme eh bien, le 6 du Nyx ou ses objets aussi, une dagger une fois de plus pour lui. Et en tout cas, c'est un début de partie relativement calme. Attention quand même au Jugger qui est parti chercher Bulldog, qui a bien réussi à se cacher. Il a ulti, hein, Tron, donc ça peut aller très très vite. Oui, c'est vrai qu'il s'appelle Tron. Pour bon, vrai dit, J'ai ça se dit oublié qu'il Tron. s'appelait Moi, je Tron. l'appelle Tron. Après, on oublie une game sur deux. C'est comme. Oh, le petit chacal qui passe au mid. C'est juste de la race. C'est comme Yoku. Une game sur deux, c'est Yoki. Une game sur deux, c'est Yoku. Ça, on n'est pas encore au point du You qui appelle No One Noon tout le temps. Ah bah c'est comme ça il paraît alors. Non.
Ah, il y a eu un thread ce matin sur Reddit d'un russe Non, je veux pas qu'il s'appelle Noon. qui disait tout le monde dit mal les pseudos, ça va partir en bas. Des pseudos des joueurs de Vega. Je vais vous dire comment dire bien. Oh le joli stun! Oh le Oh oui. Relocate! Est-ce qu'il lâche quand même l'ulti? Il lâche quand Ouais. même l'ulti, ça rebondit derrière, la Oh! toupie! Mais comment il a pris si cher? Je ne sais Ici, en pas. fait, il a pris la combo. Il a vraiment pas eu de bol. Il est ressorti de son slash dans la combo du Tini. D'accord, ok, bah Le du Tini coup a ils mis vont la tuer tout combo le monde, pour hein. choper une nature. Ouais. Ils vont Le récupérer Tini a mis. 3 kills là-dessus. Tini a mis la combo pour choper Nature's Prophet. Et le Jug a mis. Son slash est terminé sur le Tini. Il est atterri dans la combo. Et la Queen of Et Pain elle est vraiment récupérer pas le mal. Wisp hein, à la fin de la relocate. Donc dans les bois. Un peu loupé cette histoire, mais c'est bien joué de la part de Barrage qui du coup vient un peu compenser ce mauvais move, puisque ça transforme un 3 pour 1 en 3 pour 2. Il a C'est fait beaucoup plus 1100 dégâts intéressant. en 2 spells. Bah, il a fait la combo. Oh, bien joué! Avec le power shot qui est mis hors vision. On va venir remplir la bottle au mid. Radiant's middle tower is under attack. Bon bah 1700 gold sur l'Oda, rien d'acheté, ça sent la dagger. Ouais, mais comme tu disais, c'est une très très bonne game à avoir une dagger. Attention juste à pas se faire trop push, mais vu que là je vais être part sur une orchide, a priori. Ça devrait aller. On peut voir le très très bon taf qu'il fait hein, en termes de donnage de vision. Là, je crois, vous voyez des triangles répartis un peu partout dans les bois adverses. C'était un peu ce qui était à la mode à l'époque où bah, Bulldog le jouait beaucoup. On se rappelle Dice SS qui était peut-être un des meilleurs à donner la vision avec ses triangles. Et aussi rare qu'il se puisse paraître, c'est un jugger sans item. Ce qui est très très Ah rare. oui, c'est en cosmétique? Sans Ah oui, par cosmétique, ouais. exemple. Héros, je dis sans item, genre il avait quoi, il a vendu son C'est stuff, hyper non? rare, c'est hyper. Je me rappelais même pas de son casque. J'ai l'impression qu'il a des yeux bizarres avec son casque. Ah, c'est genre le genre de héros avec Nature's Prophet et Tidehunter où tout le monde a du stuff pour, quoi. Bah, tu peux pas ne pas en avoir quoi. Comme les Omni, à un moment, il y avait tellement de stuff Omni qui droppait que tout le monde a forcément un peu de stuff sur Omni Knight. Allez, Chris qui farme un petit peu les anciens. On a une smoke hein, qui est partie côté Alliance. C'est hacké avec son level 6 et S4. Oh, le Cache jug, la est-ce qu'il va personne les qui farm les révéler? bois. Ok, non, il va pas les révéler. Et là, ils ont toute la vue sur lui. Et vous y allez comme ça de Reviens. face avec la relocate? Allez, Ok, mais il y a faut pas eu aller le temps dans de te clip clear. là-dessus. Ouais, la relocate arrive, Voilà. arrive, arrive. Tranquille, ils vont être 4 sur place et récupérer les kills. Et ce jug qui était premier au Net Worth, d'assez loin, avec ses deux morts, va bien retomber. Pourtant, il a fait un build très tanky, un power trade plus drum plus aquilin. C'est vraiment maintenant qu'il est fort. Et pourtant, il débloque pas grand chose, du moins il se fait tuer par le burst adverse. On a laissé G4 prendre son level 6 en bas avec son disruptor. Et il a l'air d'aller chercher des gens pour smoke avec lui. Et Oh oh bah merde, ça tue mince, la Queen of Pain, j'allais on est pas dire il y a encore mort. dagger sur Timmy et ça va partir mine sur la côte. Et voilà. Ah donc ça débloque très très bien ce Tiny en début de partie. Ah mince, il de prendre la tour mid, G4 qui arrive, qui a son multijoueur, je rappelle, hein, avec son disruptor, qui a été vu lorsqu'il a mis son Team Nether Strike. Est-ce qu'il peut trouver un petit glimpse? Il a un glimpse niveau 3, espoir qu'il va s'approcher, lui faire peur. Là, faut faire attention. Non, il va même pas se retourner essayer de jouer le glimpse sur S4. Ah, c'est bien joué ce qu'il a fait avec sa Wind, venir le Très bien, dissuader. ouais. Parce que c'est pas lui qu'on voulait target, c'était une cible plus facile. Il Et partira Bulldog. sur Aga en premier avec sa Wind. Et Bulldog, on en parlait tout à l'heure, lui aussi maintenant a récupéré la safe lane et va pouvoir prendre un peu de temps pour lui. Il est level 7, c'est-à-dire que il a son ulti de dispo. Alors qu'une smoke est partie, on va essayer de rappeler l'Oda. On lui a cancé la dagger. C'est bien joué de la part de la Queen of Pain, on va mettre l'ulti jugger et on va récupérer le kill. Bien, il vaut cher ce Tini, hein. Il est top net worth. Ouais, dans le tout, c'est 700 gold avec juste 230 gold pour le disruptor qui avait rien demandé, qui était juste venu. Et 1000 d'XP. Donc c'est bien, c'est rentable, on va essayer d'échanger maintenant la tour mid. Porgers qui répond pas mal quand même pour le moment à Alliance. Ah, très bien, moi Avec j'ai juste la dit Queen c'était of un Pain début qui est de un peu game. prendre. Un début de game qui se voulait un peu calme, mais là, bah, Alliance a mis la machine en marche et PR trouve des réponses qui sont vraiment intéressantes. Est-ce qu'on a envie de tenter quelque chose en bas sur S4 qui peut chez la tour? Non, il va reculer au bon moment, il va aller défendre mine, mais c'est un peu tard, la tour a déjà été prise. Ouais, il y avait un autre TP de la part de Bulldog qui s'est mis en Vendetta. Ouais, il y a Oh, le Aki slip qui a est trouvé passé. un. Ouais, Oh, ça slip, relocate, le mais. Jug qui va venir pour essayer d'aider un peu, on va mettre la toupie, alors que Aki a mis le... Oh, c'est bien joué de la part du Jugger qui va récupérer les kills. Est-ce qu'on peut réfinir Nuts? Oui, l'Oda du coup se retrouve un peu seul. Très bon stun de la part de Bulldog qui va faire gagner beaucoup de temps l'ulti Winter Wyvern pour récupérer le kill. On est coincé dans l'ulti Disruptor, le Glimpse derrière, ultra kill pour Ultra kill de la Barrage. com.
Et la meilleure personne sur laquelle avoir exactement ultra kill ça. En plus. Regarde le Net Worth, il est toujours derrière la Wind après cet ultra kill. C'est pour vous dire à quel point il était loin avant. Et avec ça, il rentre dans la partie. Il s'est fait 1100 gold dans l'histoire. Et j'ai envie de dire que PR là-dessus revient aussi, recolle à mon avis. Et ça, on va être de retour à 0 de différence de gold, 0 de différence d'expérience. Très bon move, il y a eu des... Alors c'était optimiste de la part d'Alliance d'aller chercher aussi proche de la tour, surtout quand tu sais qu'il y a des Golden Dub comme l'ulti, Winter Wyvern, ce genre de choses. Très bonne réaction du Jug de spin avant le Fiend Grip, parce que bah, le Bane s'est retrouvé forcé à mourir sur son move. L'Oda qui est parti très loin derrière pour one shot, et ben je sais plus grand qui, le Nature's Prophet avec sa combo je crois. Mm-hmm. Et au final la cop qui est rentrée dans le lard. Et... Ouais. Juste pas oublier de deny cette tourmide hein, côté PR. Ouais, j'ai l'impression qu'on a complètement oublié cette histoire. Mm-hmm. Ça va tomber très vite hein, sur un petit Ostini. Qui est reparti un peu en mode farm, alors qu'une Vendetta est partie. Il y a des très bonnes wards hein, sur la carte de la part d'Alliance. Ils ont vu tout à l'heure passer le Disruptor et le Jugger. Et Bulldog est bien placé. Mais G4 aussi. Et pendant ce temps-là, donc les deux ont recolocate son top. Alors, il attend juste que ça décolle la tour en bas. Et on bait sur Chris, on va TP top de la part du Jug pour essayer de récupérer Nuts peut-être, on l'a slow pour le moment. Ça va passer, et du coup le Disruptor en bas, ah bah, en bas il est mort évidemment, oui. Il a eu le temps d'acheter avant de mourir, il perdra pas beaucoup d'argent. Je pense qu'ils sont satisfaits de cet échange, bon je sais pas, je suis sûr. Oh le TP, pas, oh le TP de la part de Barrage, ouais. Et on va tenter d'y aller avec le TP de Nuage Prophète aussi, l'ulti Winter Wyvern pour récupérer. S4, est-ce qu'on peut aller plus loin et récupérer Bulldog? Peut-être tenter le Bing de la part de la Queen of Pain. Ouais, double. Oh non, le Tini qui arrive et Big Nom qui va se faire stun avec, qui va tomber derrière on se body block soi-même de la part de Chris. Ouais, joli sprout, est-ce qu'on a le stun qui arrive? C'est passe pour Bulldog, la Vendetta. Et un nouveau kill pour Loda. Double kill pour Loda qui a récupéré en plus le méga kill de la Queen of Pain. Là-dessus, il s'est fait beaucoup d'argent. Le Jug, quant à lui, il va récupérer la tour top. Donc, au moins, un petit échange mis en place. Mais c'est quand même 3 kills de récupérer par Alliance là-dessus pour la seule perte de S4. Et ils vont égaliser la prise d'objectif de la part du Jug en prenant eux aussi la tour en bas. Si le last hit part dans les mains de Loda, il se sera fait au total plus de 1600 gold sur le move. C'est chose faite. Il avait un poil plus de 1000 gold au début. Il vient d'avoir 2600 gold. Il a acheté quelque chose. Il est à. Mi-chemin de son Laghanim ? Non, c'est ça, ouais. Ça fait pas à lui. Oh, bah il est quand même à mi-chemin de Laghanim, il a 1400 gold en manque. Oui, c'est ça, d'accord. Et le booster mi-chemin qui vient d'arriver. Ils ont vraiment des bonnes wards Alliance là. Ils permettent de voir le Disruptor, permettent de voir le Nest Prophet, leur ward en bas tout à l'heure qui avait vu passer le Jug et le Disruptor, qui savaient qu'ils étaient là du coup. Pour la COP aussi, ça va être à Laghanim d'ailleurs. Très intéressant pour les one shot le Wisp facilement au début de partie, alors qu'un Glimpse vient d'arriver. Oula, encore la suite était loupée par contre. C'est dommage parce que le Glimpse était beau. Et le Jug, mon gars, il est parti pour tanker. Hein. Il va nous faire un sang Yasha en commençant par le Senge. Donc il a pas envie de se faire tuer sur l'initiation into Relocate. Ah, G4 va trouver la warp dans les bois, c'est important. Important de deny cette visuelle Alliance, comme tu le disais, elle était bien positionnée, elle donnait beaucoup d'infos, et ils vont se moquer derrière. Bulldog, lui, il attendait en bas, mais comme il voit personne venir farm en bas, il va peut-être pouvoir cramer l'histoire. Mais ça se moque aussi de la part d'Alliance, hein, S4 et Ake. Et du coup, c'est le bon move, hein. C'est le très très bon move pour Rangers, parce qu'ils courent sur Louis et le Tigne. Ouais. Et ils sont sous la vision d'une Warn, est-ce qu'ils vont y arriver? Attends, ça c'est une autre histoire. Ça m'a l'air pas mal. Oh ouais, l'ulti Winter Wyvern est très très bon. L'ulti Jug, on tente de one-shot le Wisp, mais qui tank beaucoup hein, avec l'ulti Winter Wyvern. C'est pas grave, ça passe quand même. Après, quand vous êtes dans l'ulti Winter Wyvern, c'est pas vous la target. Vous êtes, prenez, je crois, 80% de dégâts en moins. C'est quand même assez énorme. C'est 70, ouais, mais oui. Du coup, ça veut dire que là, l'ulti Jug, il a quand même sacrément bien encaissé, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Le kill est récupéré, sans souci. Le Tini qui meurt avec. Et ça joue bien du côté de Pierre, ça prend les bonnes décisions, je trouve, ça va chercher les bonnes ouvertures. Tout à fait. On arrive aux portes d'items, bah de premier véritable item en fait du côté PR, on en parlait il n'y a pas si longtemps, hein. C'est la gueule de la COP qui va être terminée, c'est l'orchid du Nature's Prophet qui va être terminé, c'est le son GHA du Jäger. Voilà les trois corps qui nous sortent leurs premiers items.
Du côté Alliance, je pense qu'on est à peu près au même stade. Tiens, on a l'air de partir Dagon ou Forstaff côté Bulldog. En tout cas, pas de Dagar. Mais il a quand même acheté son établissement très tard. Hein. Donc ouais. Il y a moyen que ce soit un Dagon. On a quasiment la gueule de la Wind et on a celui du Tini, je crois. Non, pas tout à fait. Il manque encore un tout petit peu d'argent à Loda. Moi, j'aime bien cette idée de Dagon sur le Nexus Prophet, sur le Nyx, parce que ça, il va pouvoir tuer beaucoup de gens tout seul. Hein. Carrément. Et c'est Dagon, effectivement, il vient de l'acheter. Donc, ils vont faire des setups de relocate, plus à coup de Bane et Wind, qu'à coup de Nyx. Le Nyx, ce sera plus l'électron libre qui va aller chercher les kills tout seul. Et c'est-à-dire que le Furion pourra plus spécialement aller farm seul une ligne, puisque là, il tourne à 700 HP avec son ouverture Orchid. Bulldog peut le tuer sans trop de problème. S'il voit leur Warg, il va avoir l'expert dans 30 secondes. Oh, on a vu S4, on lui TP dessus par derrière. Le Sprout qui part, il va pouvoir peut-être en sortir. Non, il est en série de power shot. Le Windrun qui passe, il tente le body block. Ça me paraît pas mal. Est-ce qu'on arrive à trouver les glimpses? Je pense que ça va passer, on va le ramener derrière. Excellent. Magnifique. Bien joué. TPDA les armes. Trop chaud. Et du coup, on annonce qu'il y a une ward dans le coin, hein, mais pour tuer la win, ça vaut largement le coup. Et on finit aussi, du coup, les premiers items des supports là-dessus. Voilà, l'urne du Disruptor et la Glimmer Cape de la Wyvern. Enfin, quasiment la Glimmer Cape. Ouais, hein. Elle est super riche cette Wyvern, non? Elle est extrêmement riche. 2-1-7, 22 de CS. En bas, on voit le Jug. Oh, mais on a intercepté le Bane. On va quand même relocate sur le Jug. Donc, on va essayer de regarder s'il arrive à tuer le position 1. Il arrive à spin pour super vite. Le Bane, lui, il est pas mort non plus. En attendant, il est mort ce Jug. Et qu'en est-il du Bane? Et le Bane est encore en vie. Hein. Oh, le body block est bon. Par contre, le body block est bon. C'est bon. On va quand même récupérer le kill derrière. Loda et Bulldog ont envie de rejoindre le fight avec Lignum qui est peut-être maintenant un peu en danger. Qui arrive à mettre un joli slow. Le silence est posé sur Loda qui pourra rien lâcher. Bulldog qui hésite à lâcher son stun. Il cherche plutôt la Winter Wyvern visiblement. Il l'avait? Ah, il l'avait. Ah, et la cop arrive, hein. La cop arrive. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de nous faire? Oh, bien joué, il a dodge. Par contre, je pense qu'il peut se faire Bulldog assez facilement. Oh, oui, bien. Et ça lui paye sur la gueule. Nickel. Bon, du coup, c'est-à-dire qu'il a plus d'ulti pendant un petit moment, mais. Ah ouais, j'aime bien, tous les supports ont vraiment beaucoup d'argent dans cette game, hein. C'est quand même assez important quand tu vois le burst qu'il peut y avoir entre Nature's Prophet, la Queen of Pain d'un côté et le Chini et le Nyx de l'autre. T'as pas envie d'être pauvre dans cette game. Et même si Maynard s'est quand même mort 5 fois, ça va. Bien, tiens, Networks descend, on va aller faire Roshan. C'est ping par les verts, donc c'est ping par Bulldog. Qu'a priori ça n'a pas été vu. Je sais pas comment S4 est rentré dedans, en tout cas Loda lui a blink à l'intérieur. Et ça va tomber sans trop de problème. Du coup, avec cette Aegis dans les pattes, on va voir si Alliance a envie de changer un poil d'idée et d'aller chercher plutôt les bâtiments plutôt que les kills. Maintenant, cette Aghanim sur la Wind, cette Aegis dans la poche, ça peut peut-être la Ghanim du Tini également, ça peut peut-être les motiver. Probablement une Hyperstone qui va arriver en plus sur l'Oda là. Je pense. Effectivement. Hyperstone et Tease. Allez, ça commence à ping pas mal autour de Tron en haut. Il y a le Bane qui est dans le coin, il y a beaucoup de gens dans le coin en fait, hein. Il y a énormément de gens, il y a Bulldog qui est caché aussi, juste sous le dessous, mais ça bait, hein, côté PR. La Queen of Pain qui va voir Bulldog et du coup on est au courant, je pense que c'est un bait sur ce Jugger. Est-ce qu'ils ont pas envie? Non, ils vont pas aller chercher. J'ai dit, est-ce qu'ils ont pas envie de prendre le Fight Flame? Ils ont Aegis, ils peuvent être 5 avec la Relocate, mais non. La Vendetta va se finir, donc il va falloir prendre une décision maintenant, côté Alliance. Ils attendent sur une sentry, hein, les Power Rangers. Bah ils sont en place en bas, hein. Ils sont la ligne qui push en bas. Là, on va avoir un DP du coup. De la part de J4, le jug à suivre, notre PR qui va reculer d'en haut. Tout simplement. J'adore ces games avec Wistini, je trouve ça vraiment. Ça crée une méta tout à fait différente quand même. Et surtout avec ce genre de draft, tu vois, avec trois utilitaires qui te setup les relocate, ça met vraiment, mais comme tu dis, c'est un tempo de game qui est super différent. On va go sur la Winter Weaver Mid parce qu'elle a le temps de lui marquer pour quoi que ce soit. Pas du tout. Bon, elle a eu le temps. Ah non, elle a pas le temps de l'acheter, hein. Elle a toujours pas l'acheter. Ah, elle l'a toujours pas. Oh, merde, c'est grave, hein. Je pense que c'est la deuxième fois, il était vraiment en porte de l'avoir, quoi. Ça, c'est quand même sacrément grave. Radiant's top tower is under attack. Attendez,
le petit ancien instant. Et on va aller prendre la tour top, rejoindre la Wind. Alors c'est elle qui possède la Aegis, ils l'ont pas mis sur le team. Tu penses que c'est une bonne idée? Moi je me suis dit que s'ils faisaient ça comme ça, c'est parce qu'ils voulaient aller casser tous les bâtiments à coup de Focus Fire, bêtement, et puis jouer. Ouais. Mais Dieu, mais genre, moi j'aurais joué avec le Dale Wisp en bas en attendant. Et puis forcer la réaction de PR en y allant au. Oh la smoke, elle est révélée direct. On sait qu'il y a du monde du coup. On a pas une petite dust à mettre ou quoi là? Parce que Bulldog il va choper Barrage. Barrage il a eu le temps de dodge un moment. Joli ulti Winter Wyvern. On faut quoi? On a cancel l'ulti Bane, c'est bien joué. Allez, le jeu qui va lâcher son ulti, on a tué le Nyx. On va perdre Loda, on va perdre Minot. C'est bien de fait de la part de Orange en ce moment avec Espoir qui est isolé. Sans mana derrière, il est allé tuer là. Winter Wyvern, il va mourir. Une fois c'est sûr. Deux fois. Deux fois c'est sûr. Probablement. Il a eu le temps d'acheter sa cristalline, ça va le coincer, il tente de prendre le fight sur Varash. Non, ça passera pas. Ça ne passera pas, il va faire un maximum de dégâts avant de mourir. Et très belle fight de la part de Power Rangers. Ultimate Wyvern, c'est la fight parfait. Où tu te dis, il aurait fallu l'aiguille sur le Tini en fait. Ah, complètement. Parce que lui, il a été commit avec Bulldog. Bulldog a raté son stun, mais bon, c'est pas. Ces stun ni qui sont pas assurés. Hein. C'est pas le truc que tu peux dire, je vais tous les réussir tout le temps. Comme les chacals, quoi. Et ouais, du coup, Loda est parti commit avec Bulldog et ils se sont fait mais scotcher les deux dans l'ulti Wyvern, l'ulti Queen of Pain, l'ulti Disruptor. Ouais, on a eu un joli glimpse aussi pour cancel l'ulti Bane de loin, très important. Et derrière, Esfor qui était capable de rejoindre ses coéquipiers, il y avait une tour entre lui et le fight malheureusement. Bulldog a peut-être tenté de partir au mid sur Barash. Alors, à cause de son mid, je pense pas qu'il le tue, arrive de regretter, on va voir si ça passe. Bah, ceci dit, il le tue presque tout seul, hein, putain. Et le game qui arrivera un peu tard. Bon, on va voir combien de dégâts il lui fait. Il lui fait 1226 de dégâts. Donc le Nature Prophet qui a 800 HP, il le one shot. La Winter Wyvern, c'est pas dit parce qu'elle a moins d'intelligence. Oh, ça change un poil, ouais, voilà. J'allais dire justement en fonction de l'intel. Le Nature Prophet, c'est sûr, ouais, parce qu'il a beaucoup. Ouais. Le Disruptor, je pense qu'il y survit. Le Jug, bon, pas de doute sur le Jug. Et j'attends de voir la COP quand elle reviendra. Je crois qu'elle doit tourner à 1500 HP, à mon avis, avec son Agani. Je pense que ça a raison, le disrupteur survit, à mon avis, c'est étonnant. Mais... Oh bah ouais, bah le... Bah la Wyvern avec la Glimmer, il y a peut-être moyen. Ouais, c'est ça, je pense aussi. Allez, Bulldog, cherche une ouverture. On a TP de la part de Cheshire 4 qui va choper S4, mais là, comme on a dit, Bulldog peut lui faire très très mal. Il va chercher le stun qui touche plusieurs, ça passe. Et avec le mana burn, on va récupérer l'équipe Z4 derrière, se trouve un peu dans la merde. Il décide de prendre le fight qui va coincer S4 dans son ulti. Ce qui est pas mal, mais on va manquer de dégâts par-dessus. On va voir si on arrive à le finir. J'ai l'impression que ça va passer. Bien joué de la part des deux supports, le Glimpse qui passe derrière sur Bulldog. La toupie à suivre. Et on va récupérer l'équipe pendant ce temps, Loda et Aki et Minus, pardon, sont dans la base adverse. Oh mon dieu, la vitesse de destruction des bâtiments, ça surprend vraiment à chaque fois. Et Oh, il veut chercher encore d'élastique, Loda. Ah, il veut se faire relocker de back, quoi. Il va vraiment aller chercher jusqu'au bout du grid. Allez hop. Ça passe, Stacy, il a eu chaud au cul quand même. Hein. Bon, Minus, du coup, bah. Bon, voilà, il a acheté. Putain, il a acheté un méca complet quand même. Ouais, on n'a pas un truc, on peut pas de Glimmer Cape avant. Moi j'ai vu des mecs l'autre jour qui jouaient un truc au Wisp et c'était très sympa. Les mecs en face avaient rarement de la révèle sur eux. Et oh pardon, il y a un petit fight, Barash, la Queen of Pain. Ah, Barash qui va mourir. Bah, casser la Healing Ward. Il a pété la Healing Ward en fait. Il m'a fait peur, il a mis du temps quand même à enchaîner. Alors certes, il manque un peu d'attack speed. Et regardez, les mecs qui jouaient sur Wisp, les types en face n'avaient pas toujours de réveil et du coup ils mettaient un coup de Glimmer Cape sur le Wisp. Ah, mais d'ailleurs, il y a pas mal de Wisps qui font des Glimmer Cape maintenant parce que effectivement c'est efficace. Mais... Voilà, j'aime sur Winter Wyvern, ça va régler le problème Bulldog, ou du moins en partie. Oh, il va tuer le Furion. Je vois qu'il part BKB maintenant. Oh, il révèle la smoke. Oh bah t'es mort, non? Non, ils ont pas la gemme sur eux. Oh non, non, il est parti de l'autre côté. Oh, il va aller dans les sentries maintenant, mais il court vite, hein. Il court vite en mon état. Aïe, 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 pour un jeu. Pourquoi vous n'aviez pas cette gemme sur vous? Ah, ils vont la ramener maintenant. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Il a envie de rechercher des kills, Bulldog, après cette petite réussite.
Il repart en état. Alors cette fois-ci, il va passer par la marée de Sentry. Hein. Le furon qui vient de silence en centaure, du coup, il a pas spécialement son marteau de vente. Il va faire BKB sur tous les corps côté. Côté pour Rangers, pour la COP, c'est en préparation. Nature's Prophet aussi. Le Jugger, ça ressemble beaucoup plus à un Skadi. Ouais, donc vraiment une build très 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 tanky. Ouais, j'ai l'impression que c'est le but hein, chez tous les corps Power Rangers, faire un maximum de HP. On va voir s'il décide de faire autre chose, sachant qu'il pourrait désassembler pour faire une manta, ce qui n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'intérêt face à un team qui clear. Mais bon, qui sait. Ouais. Bon, ça dépend s'il a envie de jouer un peu comme. Bah, comme Herald fait beaucoup, tu ouais, sais, un push, ouais. Push. Ouais. Gros smoke d'Alliance, hein. A5, bam. Parce qu'on sait qu'on est sur le timing potentiel de rush, bah c'est un rush qui repop 10 secondes après. Donc c'est un rush qui va être là. Et ils vont le faire plutôt que d'aller le tuer? Ah bah ils vont le voir maintenant. Ouais. Je pense, non, je pense qu'ils sont partis pour le reprendre. Hein. Je crois qu'on est sur le remake de The Play. Allez, la smoke qui est révélée maintenant. Tron, il va falloir être rapide. La Blade Fury est rapide. Pensant à ces disruptors qui se fait attraper. Est-ce qu'on arrive à le one shot? Oui, c'est fait, la gemme est au sol. On va se retourner maintenant pour essayer de tuer l'eau dans l'humélo, l'île média, le Wisp qui va venir pour essayer de l'aider. L'ulti de la Queen of Pain est pas mal. L'ulti Bane part maintenant sur Tron qui devrait tomber. Attention, l'Oda quand même est mort sous le burst de la Queen of Pain. Est-ce qu'on arrive à terminer le fight? Buyback de la part de l'Oda. Minos qui est très très low. Oh, il va quand même finir par tomber. Barash va mourir, lui récupérer par S4 et Bulldog et Big Nub qui tente de s'enfuir. Oh, il y a de l'idée dans cette. C'est sûr, pas quoi. Ça a l'air de passer. Qu'en est-il de la gemme? Elle est récupérée sur Bulldog. Elle venait d'être achetée cette gemme par la Winter Wyvern. Alors, et ça va débloquer Roshan. Voilà, le buyback de Loda qui n'aidera pas pour le fight, mais qui va aider pour Roshan derrière. On va probablement lui donner la Aegis du coup, qui vient de buyback. Ça nous paye le Daedalus de S4 aussi, extrêmement important. Et il y a plein d'armes Furion qui arrivent pour dîner la Aegis. Ça ne passera pas. Est-ce qu'il y a d'autres items qui sont terminés là derrière? On a plein d'upgrades de Dagon sur Bulldog, mais je crois qu'il a déjà dépensé tout son argent. Ouais, c'est ça. Dagon level 3. Ah, bientôt 4 d'ailleurs. Et oh, mais en fait, Ake est trop riche quoi. Je sais pas ce que tu fais avec Bane quand t'es très riche. A gagner. A gagner. Non, mais une dagger ici peut être très intéressante, je pense, pour aller se placer. Après, il peut. Non, ils ont déjà un mecha, tu vas me dire. Ouais. Dans cette version, il y a tellement d'items à faire quand t'es support que. Ouais, carrément. Mais le truc qui renvoie là, le Lotus Orb pour la Winter Wyvern par exemple. Ah oui, ça c'est une bonne idée ça. Chercher ce que c'était le bon item à faire. Mais je pense que ça, oui. Ou Dagger, comme tu l'as dit, c'est très bien aussi. Ouais. Tu vois, il peut aussi faire le truc qui fait Miss pour mettre sur le Wisp par exemple et le faire survivre. Enfin, il y a tellement d'items pour les supports. Il va faire Dagger. Oh, c'est Dagger, ouais. Mais je pense que le Lotus Orb aurait été bien, oui. Sauf que ça dispelle, donc il peut se dispel dans un silence par exemple. Comme il y a une orchide qui traîne. Ça doit être marrant sur le glimpse, j'ai jamais vu, mais ça doit être très drôle. Ouais. Je pense pas que ça sert à grand chose parce que t'es quand même probablement dans la merde. Le disrupteur peut pas follow up du coup. Bah si, parce que. C'est le temps que ça se mette en place. Tu sais déjà où le mec va revenir quand il est. Dès que tu le glimpses. Et ça met genre une seconde et demie à se mettre en place donc. Tu sais que tu vas être envoyé, ouais, donc tu mets le all-in à l'endroit et. Ouais, c'est ça, moi je lâche le all-in à chaque fois dans ce cas-là, je pense. Et il y a bientôt BKB sur le Nature's Prophet par contre. C'est intéressant cette transition de Orchid into BKB directement. Ouais. Ah, je pense que c'est vraiment le Nyx qui lui fait peur. Il sait qu'il peut se faire one shot par le Nyx tout le temps. Il a besoin de ça. BKB sur le Jug, presque BKB sur la COP aussi. Donc on arrive quand même à sortir les bons items côté Arcade Power Rangers. On a perdu cette gemme, ça fait très très mal. Fallait peut-être prendre un poil de temps finir la Gaia Disruptor. Même si il m'a pas l'air. Ah si, j'ai dit que S4 finissait le Daedalus, mais il a fait BKB en fait. Il perd juste sa Crystallis. Qui est plus étonnant pour l'Oda qui part sur BKB. BKB sur... Ce BKB de la Win. Autant on comprend que tous les corps Power Rangers fassent ça. Ça se BKB. Bon, sur S4, c'est un peu plus surprenant. Oh, on va prendre la tour de la part de Power Rangers, ça va être un échange T2 pour T2. Et cette fois-ci, il va falloir défendre côté Power Rangers. Parce que cette fois-ci, la Aegis c'est sur le Tini. Qui fait BKB, tiens, lui aussi, en prochaine game.
Moi j'aime beaucoup parce qu'Alliance sont deux corps qui tombent tellement vite les bâtiments que t'es obligé de réagir vite. Et souvent quand tu dois réagir vite, bah t'es un peu en pile à l'erreur. On va prendre ce fight, on a un Jinx qui est parti, l'ulti-winter il va se poser, on va mettre le all-in sur Esper effectivement qui va tomber. Ulti Ben qui part maintenant, il faut le cancel, il n'y a rien pour cancel, donc on est en train de prendre beaucoup de dégâts. Mais c'est bon, on l'a mis en glaçon, bien joué là par le Winter. Par contre, on va récupérer peut-être G4, il a un HP derrière, il va se mettre le petit glaçon et s'en sortir. On va mettre un slip sur Minot, Minot devrait quand même tomber. Barrage, attention à lui avec sa Queen of Pain, il va prendre cher. Buyback la part du Whisk, il va essayer de rejoindre le fight avec ce Jugger qui va tomber à son tour. On a Glimpse maintenant de Minot qui venait de buyback. Chris qui lâche son ulti, ils ont quand même pris bien cher les petits joueurs d'Alliance. Est-ce qu'on arrive à les terminer? Ah, le malheureusement, le Spinder Blast qui ne connectera pas. Ça va être un 2 pour 3. Avec Buyback Wisp, à l'avantage donc de Power Rangers, qui perd quand même deux corps importants, mais qui défend et sa base. Et on conserve la Aegis côté Alliance aussi, et pas tomber, donc s'ils arrivent à jouer un timing à refaire un peu sur cette Aegis, ça peut être important. Le pauvre Bane à la fin qui meurt sur l'ulti Nature's Prophet, au moment où il veut back, on lui on se dit bon, ok non c'est bon on se casse, le Bane il se prend un vieux boons de l'ulti Nature's Prophet. Et du coup maintenant... Le BKB est prêt sur l'Oda. Et le prochain push, il va être plus dur à arrêter. Hein. J'aime bien comme ils jouent avec leur... Jake Weaver n'a pas hésité à all-in le mec qui a pas la Aegis. Et à lui mettre bah, Winter's Curse, Omnislash dans les dents. Ah, ils ont pas froid aux yeux pour Rangers. Hein. Mais ils ont raison, parce que comme on venait d'en parler, quand t'as deux corps qui tombent aussi bien les bâtiments que ce qu'a Alliance... Ah, il faut que tu saches agir vite et bien proprement, c'est-à-dire en faisant un all-in sur un mec. Et ils vont y retourner Alliance, tous les ultis viennent d'heureux côté Power Rangers. Ils veulent vraiment utiliser cette Aegis pour avoir un side. Ouais. Le travail a été quasiment fait sur la tour, il n'y a plus de glyph dispo non plus, donc je pense que cette tour va falloir agir très vite côté PR, où elle va tomber. Ouais, c'est les spécialistes de on engage avant la base, ils vont arriver en smoke. Avec un angle, ils un sont poil bien placés, Alliance, hein. Ils sont très très bien placés. Ah, les Oda qui montent les petites marches. Ah, on va y aller, on a Blink qui essaie de récupérer S4, c'est vrai. Ouh, ça peut être très très grave, mais l'Oda il est en train de massacrer tout le monde. Barrage qui va se mettre en glaçon, c'est bon. Tron vient de voir lâcher l'ulti très rapidement. S'il veut s'en sortir, c'est bien, ça va bien. Boons, mais il n'y a personne pour follow-up malheureusement. Il devrait du coup tomber, tout le monde est mort pendant ce temps-là, hein. Je sais pas comment. Mais S4 a tué la Winter Wyvern et Nature's Prophet. Il reste que la Queen of Pain en vie. Et là-dessus, ils vont prendre le side. Ouais, GG annoncé. Hein. Ah, GG annoncé. Et c'est Tiny Win, c'est tu perds le trône là-dessus, bêtement. Ils n'ont pas de buyback, il y a 100 fois le temps de casser leur quinté de la base. Et même, game très convaincante d'Alliance, je trouve qu'il n'a pas fait d'erreur avec son draft, mais aussi je trouve une game très convaincante de PR. Qui vraiment. Ouais, moi je les attendais pas à ce niveau de jeu-là, mais. Ouais. Vraiment, ils ont été très bons, je trouve. Et c'est juste une game où t'arrives à la fin et Alliance avait peut-être une strat, j'ai pas envie de dire meilleure strat, mais une strat mieux exécutée. Ouais, bah, je trouve qu'ils ont peut-être manqué un peu de créativité pour Rangers, ils ont peut-être été un peu trop prévisibles dans leur plan de jeu. Mais, mais sinon, effectivement, très peu d'erreurs dans l'ensemble de leur part, des teamfights bien exécutés, des bonnes idées. Je trouve, voilà, juste ils ont joué le jeu d'Alliance bon en fait. Très bon pick-up aussi. Ouais, oui, je vois ce que tu veux dire, je suis parfaitement d'accord, ils sont vraiment rentrés dans... Dans le jeu d'Alliance, et du coup c'était facile pour Alliance de savoir où atteindre PR. Mais je trouve que PR a débloqué des très belles choses, notamment avec son Atos Prophet, des très beaux pick-up à coup de sprout, etc. Très joli. Ouais, effectivement. Bon, bah très belle gamme. Du coup, on a une deuxième game à suivre. Mais ça, ce sera après une petite page de pub. Je vous rappelle qu'on est sur un BO3 entre les deux équipes. Alliance mène donc 1-0. On se retrouve dans 5 minutes. 3 minutes vraiment, mais 5 minutes pour nous. Puisqu'on a du délai. Inception de temps, on est complètement perdu. A tout de suite. I won't get to get what I'm after till the day I die.